Hey, coucou tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour la suite de notre calendrier de l'Avent. Donc aujourd'hui, nous allons commencer la deuxième page. Donc, il ne faut pas grand chose pour cette page. Alors, pour cette page, il faudra un morceau de 13,5 par 21 cm et 4 morceaux de 9 par 14. Alors, pour les plis, donc dans le grand morceau ici, vous allez venir faire un pli à 1,5 dans les 21. Donc moi, je l'ai déjà fait parce que je l'avais oublié. Donc là, notre pli, il est fait. Et ensuite, dans les 4 morceaux, vous allez venir faire un pli à 1 cm dans les 14. Donc ici, hop. Alors, cette page va aller très très vite. Enfin, cette petite vidéo sera très très courte. Parce que du coup, voilà. Alors là, ici, nous avons un pli. Donc là, nous allons couper en biseau légèrement. Nous allons préparer pour l'assemblage de demain. Hop. Et vous allez faire pareil sur les 4 morceaux. Donc hop, sur les 1 cm, là, vous coupez légèrement en biseau. Hop. Là, ici, voilà, et voilà. Alors, hop, là, vous prenez votre pied loire et vous allez venir déjà marquer vos plis. Moi, sur ces 4 morceaux-là, je vais venir arrondir les bords. Alors, je prends ma Tonic Studio. Et je viens du coup arrondir les bords. Donc là, c'est ce qui va. C'est l'endroit où vous mettrez vos photos. Voilà. Donc là, pour aujourd'hui, on a terminé ici. J'arrondis pas les bords parce que je vais venir mettre une petite découpe. Donc je viendrai recouper une fois qu'on aura tout positionné les quatre rectangles. Je viendrai recouper et mettre une petite bordure. Donc voilà pour aujourd'hui. Et ben je vous dis à demain pour la suite. Bye bye.